Chers concitoyens, chères concitoyennes, les élections approchent à grands pas et les nombreux candidats officiels se succèdent dans les médias en vous promettant monts et merveilles. Au parti à pire, nous avons conscience de tous les problèmes qui grèvent notre vie en société. Seulement, nous serons les seuls à ne pas vous mentir en vous affirmant qu'à ces problèmes, il n'y a absolument aucune solution. Et c'est ce pourquoi je vous demanderai de voter pour nous. Le marché de l'emploi dans notre pays est dévasté et la croissance aujourd'hui est au plus bas. Restructurer notre service public de l'emploi est une entreprise bien trop complexe et incertaine pour que nous l'assumions. Le problème de la croissance fait entrer trop de paramètres en jeu pour que nous soyons en mesure de le résoudre. Nous n'avons ni les compétences ni la volonté. Pour cette raison, si nous venons à être élus, la situation, au mieux, ne fera que se dégrader. Mais il y a pire. Malgré la crise de 2008, la finance internationale demeure incontrôlable. Le politique, aujourd'hui, n'a pas le poids nécessaire pour intervenir à cette échelle. Et pourquoi cela changerait-il? Au parti à pire, nous pensons que ce combat est vain et que sortir du système ou envisager son évolution est une utopie. C'est pour cela que nous continuerons donc comme avant. Mais il y a pire. Notre système éducatif est surchargé. C'est l'avenir de nos enfants qui se joue ici. Seulement, au parti à pire, nous avons conscience qu'aujourd'hui, moins de 40 élèves par classe, ce n'est plus envisageable. Mais il y a pire. Nous continuons à vendre des armes à des régimes corrompus. Nous avons conscience des drames humains que cela peut engendrer. Seulement, ça rapporte. Et il y a pire. Le nucléaire est une énergie dangereuse. Nous l'avons vu récemment, des incidents majeurs de grande ampleur peuvent se produire sans que nous soyons en mesure de les anticiper. Pour autant, les bénéfices que nous en tirons sont trop importants pour que nous prenions le risque de repenser notre système de production énergétique. Mais il y a pire. Par nos activités quotidiennes, nous continuons à polluer notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, et même les aliments que nous mangeons. Et cela pourquoi? Pour satisfaire des besoins artificiellement construits. Si nous savons que nous sommes allés trop loin, il est malheureusement impossible, à ce stade, de revenir en arrière. Et cela dépasserait les capacités d'action de tout gouvernement. Nous ne ferons donc rien. Mais il y a pire. Vous l'aurez compris, au parti à pire, nous ne portons aucun projet de société. Mais il y a pire. Votez utile, votez il y a pire. Le politique, c'est vous. Il y a pire. Bueno. Oui, bueno, c'est bien. C'est bien.